Welcome on CL TV, everybody. I'm Jenny Barron and thrilled to be with you. To expert, is it necessary to innovate and to diversify? What are key factors to success? Exporter nécessite d'innover et se diversifier. Quelles sont les clés de ce véritable succès? Around this table, autour de cette table, mes trois intervenants, three experts. Bob Bauer, thank you so much for being with us today. You're the president of Association of Food Industries. Thank you, Mr. Bauer. Gaël Brabant, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Louis, président de la commission export de la FIF. Quant à vous, Christophe Meunier, je suis ravie de vous recevoir autour de cette table aujourd'hui. Vous êtes le directeur de la division agroalimentaire Business France. Je me tourne donc vers vous, Christophe Meunier. Et ma première question, Monsieur Meunier, quelles sont les grandes tendances de l'export actuellement et est-ce que c'est important pour nous de se rendre compte que l'export est capital dans notre société actuelle? L'exportation est un levier très important pour le développement. Bonjour. Bonjour. Donc l'exportation, on le sait, c'est un levier très important pour le développement des entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une économie ouverte et la croissance est à capter sur les marchés étrangers. On constate depuis plusieurs années que la croissance des marchés internationaux en termes d'agroalimentaire est plus rapide que la croissance du marché intérieur français. Donc l'international et l'export sont devenus une nécessité pour les entreprises, notamment les entreprises françaises et européennes. Monsieur Meunier, je me permets d'intervenir. Comment l'a-t-on constaté? Bien, on a évidemment des outils de suivi des échanges et des outils statistiques qui montrent qu'on a une croissance continue de l'import et aussi de l'export. Donc c'est vraiment le symbole d'une économie de plus en plus ouverte. C'est aussi des modes de consommation qui s'ouvrent de plus en plus à de nouveaux types de produits. Donc que ça soit à l'import des Français qui vont vouloir goûter de nouvelles saveurs internationales. Mmh. Et puis à l'inverse, ce qui nous intéresse nous en tant que Français, c'est que d'autres pays vont être de plus en plus intéressés par les produits que nous avons à leur proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que les marchés qui s'ouvrent pour les produits français, les personnes qui sont capables d'acheter et qui ont envie d'acheter des produits français, elles sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. C'est une bonne nouvelle pour nos entreprises agroalimentaires, parce qu'on va trouver des relais de croissance, notamment dans les marchés émergents ou des classes moyennes sont de plus en plus sensibles à cette originalité et cette qualité des produits français. Mr. Bauer, it's like the world is getting smaller and people want to eat from all over the countries, all over the world. It's like we are citizens of the world right now. How can we explain that? Well, it's a combination, as you said, the world's getting smaller. So through technology, people are exposed to more, it's easier to travel than it's ever been. So either people have seen it, even on TV, on the chef shows, so they are exposed to more products and then you want to try them at home or in restaurants, and there's more variety of restaurants in every small town in the United States, never mind the big cities. And I know it's similar elsewhere. In Paris here last night, there were, you name the country, there was a restaurant there. You can see it in here. Okay. You can have everything you want from all over the country. That's all right. Over the world. And so people know it's there, they want it. Yeah. And you know, it's there for the taking and they're going to go after it. Gaël Brabant, comment est-ce qu'on explique ces grandes tendances aujourd'hui dans le monde de l'export et par ailleurs, quelles sont les grandes tendances qui vont se dessiner dans le futur? Alors, la plus grande chance qu'on a en France, c'est qu'on bénéficie d'une image qui est assez extraordinaire à l'étranger et donc on peut faire rayonner nos produits. Il y a eu des précurseurs dans les années 70 qui ont commencé à exporter du vin, des foie gras, je pense à la Maison Rougier, et des personnes qui ont été les pionniers de tout ça. Et aujourd'hui, on bénéficie de cette aspiration qui permet, y compris à des petites entreprises, d'une cinquantaine de personnes ou même de moins, d'aller à l'export. Il y a aussi les moyens de communication qui sont beaucoup plus rapides. Le prix des billets d'avion, il y a 30 ans, ça a coûté 10 fois le prix d'aujourd'hui. On accepte de travailler facilement à l'export, on accepte de travailler facilement avec nos tablettes. Il y a 30 ans, quand mon père partait à l'export, hein, il restait 15 jours sans communiquer et on était parfois inquiets, nous, ses enfants. Mais l'export, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les PME françaises. Et grâce à la FEF, qui regroupe environ 800 PME,
ont réussi à organiser des présentations de pays grâce au soutien de Business France, des conférences visio, des visioconférences dans lesquelles on voit les interlocuteurs de Business France qui nous expliquent quelles sont les typologies de consommateurs, quelle est la maturité du marché et comment on peut découvrir à distance les opportunités qui se présentent à nous. Christophe Monnier, vous semblez acquiescer avec ce que dit Gaël Brabant. Tout à fait. Évidemment, avant d'aborder une démarche à l'international, il faut se renseigner sur les possibilités d'export et la capacité qu'a un produit à répondre à la demande internationale qu'on mentionnait à l'instant. Et c'est là qu'intervient notre réseau international. Donc Business France dans l'agroalimentaire, c'est 150 personnes à travers le monde, dans 90 pays. Ce sont des personnes qui sont souvent biculturelles, binationales, donc qui font le lien aussi entre le local, donc c'est-à-dire la connaissance des habitudes de consommation, des grandes tendances de consommation de l'alimentaire. On vient par exemple, à l'occasion du CIAL, de publier notre guide Où exporter en 2017, qui reprend les grandes tendances de l'alimentaire dans une quarantaine de pays. Qui seront ? Alors, les grandes tendances de l'agroalimentaire, aujourd'hui, on le voit au niveau international, c'est la recherche de la qualité des produits au sens de produits sains, c'est la santé. La naturalité, c'est plus seulement une tendance dans quelques grandes villes européennes ou américaines, c'est une tendance qui est internationale. Le consommateur veut connaître l'origine des produits. Effectivement, ça a été mentionné, les émissions aussi de télé, culinaires, l'accessibilité de l'information via le numérique permet aux consommateurs de s'intéresser davantage à ce qu'ils consomment. Donc, il devient de plus en plus exigeant. Mais c'est également très intéressant pour nos entreprises françaises, puisque ces demandes des consommateurs, nos entreprises agroalimentaires y répondent parfaitement, parce qu'on a été pionniers sur les questions de mise en avant de l'origine des produits, de traçabilité, de sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. Et donc, là, on a vraiment de l'or en barre, en fait, à communiquer, à utiliser sur les marchés internationaux. Mr. Bauer, is it a global point of view that people want to be healthy, want to know where the elements are coming from? Is it the same in the United States right now? It is. There's a movement toward that, but it's overstated in a lot of ways. The people who want to know where, they're very noisy about it. The general public, they'll pick up an item and just buy. Now, the difference is when you get to the specialty type of foods. So if somebody's been to France recently and they want an item they had in France, then they want to go and they want to make sure they're buying it from France and it's not made in another country. I had somebody contact me yesterday. They knew I was at the show. They said I was in Andalusia last month and I saw something there. Can you go pick it up for me because I want to bring it home? So once the people become educated on what it is that they want, then they are looking very closely at the country of origin and the like. And then you also have the other end of the spectrum too. On the opposite end, you have the local movement that people are noisy about, but they don't fully understand that it's not possible in a lot of cases to bring product that, you know, cashews for instance can't be grown in the United States. Well, where does that fit into the local movement? So it's a number of factors coming together. But the general public, they just want to be exposed to as much as possible and be able to enjoy it. And they want to make things happen, definitely. Yes. They want to get better. How about safety and clean labels? Clean labels is another thing. It's in that same vein. The general movement in the United States, yeah, clean labels. Mm. But the majority of consumers who are buying the product don't really look at the labels all that closely. It's more the health challenged or somebody like that, or the foodies who really need it. But if somebody's going into Walmart to buy a can of canned peaches, they're not necessarily going to look and see how many ingredients are in the product. But it's a growing trend. It'll come, you know, continue. We're just not sure how. Definitely, it will come. Yes. And we wish that it will come faster and faster. Monsieur Brabant and Mr. Bauer, also, une question un peu touchy, a little tricky question. Il y a un traité qui arrive entre les États-Unis et le continent européen pour faciliter l'export. There's a new tract between the United States and Europe to facilitate export. Quel est à vous trois
et sans langue de bois, s'il vous plaît. Monsieur Monnier rit déjà, il connaît ma question. Quel est votre point de vue sur ce nouveau traité qui est censé faciliter l'export entre nos deux continents qui ne répondent pas, il faut l'avouer, aux mêmes règles sanitaires, aux mêmes règles de sécurité, notamment avec la fameuse question des OGM? Alors, d'abord, je dois pouvoir dire avec certitude que l'industrie agroalimentaire française a un niveau de qualité qui est très élevé au niveau des certifications, au niveau de la sécurité, au niveau de la traçabilité. Juste pour exemple, quand je travaillais dans un resto aux États-Unis, le livreur de poissons surgelés arrivait systématiquement avec un poisson, non pas surgelé, mais déjà décongelé. Et il me disait, de toute façon, tu vas l'utiliser aujourd'hui, donc c'est pas grave. En France, ce niveau de sécurité alimentaire, il est élevé. D'ailleurs, les administrations françaises viennent souvent nous auditer. Et pour répondre à votre question sur ce fameux traité, nous, à titre d'entreprise, ce qu'on souhaite simplement, c'est de créer de la valeur ajoutée pour nos produits. Valeur ajoutée pour nos produits, ça veut dire aussi satisfaction pour les consommateurs. Et à partir du moment où on crée de la valeur ajoutée pour nos produits, on est capable d'investir. On est capable aussi de payer des taxes, des impôts. Et vous savez très bien que notre pays, en la matière, plutôt pas mal, hein, au niveau des taxes et des impôts. Donc on souhaite absolument que les relations avec les États-Unis, qui est un marché très important pour nous, pour beaucoup d'exportateurs, puissent continuer à se développer. Et le consommateur américain, dans notre esprit, il a toujours cet œil neuf, il a toujours envie de goûter des choses. Alors effectivement, c'est peut-être plus difficile d'aller vendre de la moutarde ou du vinaigre sur la côte ouest des États-Unis. Ou du foie gras. Ou du foie gras, qui est déjà connecté aussi avec la face pacifique. Bien sûr. Et il faut prendre ça en compte pour qu'on puisse continuer à développer nos courants d'affaires. Et les liens entre les États-Unis et la France sont des liens forts et on souhaite qu'ils continuent à être des liens forts. Grâce à ça, nos entreprises vont continuer à se développer. Et puis ensuite, il y a des initiatives qui se passent, des entreprises françaises qui vont créer des business units et créer de la valeur ajoutée en construisant des usines aux États-Unis. Donc tout ça, c'est vertueux et ça nous permet de créer, encore une fois, de la valeur ajoutée pour nos entreprises, de la satisfaction consommateur, de la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, plus que jamais, les consommateurs ont besoin de cette lecture-là. Les scandales sanitaires doivent être derrière nous et on ne doit plus demain avoir des problèmes sanitaires dans nos usines, au détriment de la crédibilité de nos produits pour les consommateurs. Mm-hmm. Mr. Bauer, you seem to agree with what Mr. Brabant just said. He's right on the money with the food safety issue. In fact, there's a new law in the United States. It's the biggest change to food law in the U.S. in years, and it's bringing us up closer to the EU level of food safety. It's not food quality. That's something that people need to... You know, your quality standards are one thing, your food safety standards are another. And in a nutshell, what this law says is every facility that produces food, whether it's in the United States or shipping to the United States, has to have a preventive control plan. So they're going to look at every possible hazard that can happen to the food, outline how it can be addressed, and show that it's being monitored and verified by somebody else coming into audit. Mm-hmm. The difference is for the product exported to the United States, the exporters have to provide all of that information to their customer in the United States because our government, rightfully, you know, they realize they can take action against a U.S. entity a lot easier than they can foreign entities. So the law puts the responsibility on the importer to have all of this documentation. So it's going to change relationships with existing customers who've had, because it's a romantic kind of industry. For years, you know, it might have started out even with a family kind of connection and all, and now all of a sudden, well, I need to have this paperwork that shows every step of the production process and everything. Should be easier. It'll be harder to start with, but once that paperwork is done, it has to be maintained. And it's often like this in the United States. It's hard to get it, but then once you're done, you're done. You're okay. You can That's get right. with the flow. Yes. Monsieur Monnier, je me tourne vers vous. Quelle est-vous votre position sur ce nouveau traité? Je sais qu'il est très difficile de parler d'un traité qui n'a pas encore été signé, mais est-ce que vous le percevez d'un point de vue plutôt positif? Exactement. C'est un sujet tout à fait sérieux. Hein. Le traité n'est pas encore signé. Donc il y a encore tôt de tirer des conclusions, évidemment. Mais ce que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on souhaite travailler à l'international, donc on a parlé de cette demande des consommateurs à l'international, encore faut-il que les produits puissent arriver jusqu'aux consommateurs qui souhaitent consommer ces produits. Or, sans être trop long, il y a des obstacles
tarifaires, il y a des obstacles techniques aux échanges, des obstacles sanitaires, puisqu'on est dans des produits souvent sensibles au niveau sanitaire. Donc évidemment, si on cumule ces différents obstacles, il n'y aurait pas beaucoup d'échanges internationaux. D'ailleurs, ces obstacles, souvent, ils sont là aussi pour protéger le consommateur et offrir certaines garanties aux consommateurs. Donc ils sont tout à fait légitimes. Quand il y a des négociations qui se produisent entre différents pays, c'est pour abaisser les niveaux d'obstacles, notamment par exemple au niveau des taxes, pour permettre aux produits d'accéder plus facilement au marché. Et pour que les produits français puissent être vendus sur les marchés internationaux, évidemment, il faut que les taxes, le niveau de taxes à l'entrée le permette. Donc, de ce point de vue-là, faciliter les échanges et les accords de libre-échange sont positifs pour nos exportateurs. Mais par contre, il y a des négociations. On ne peut pas faire ça à n'importe quel prix. Il faut que ce soit des accords gagnants des deux côtés. Et c'est pour ça qu'il y a cette négociation en cours au niveau de l'Union européenne, des États-Unis. Notre ministre de tutelle, Mathias Fekl, travaille sur ce dossier. Question. Donc, on a aussi des intérêts français à défendre dans cette négociation. Bien sûr. Monsieur Brabant, le futur de l'export, il est plutôt florissant ? Le futur de l'export, il est plutôt florissant à condition de prendre une expression française, de se décarcasser. L'export, il faut vraiment s'adapter à la culture de pays, avoir des personnes qui parlent les langues, qui acceptent de rédiger des papiers, d'aller tamponner des documents. C'est un futur florissant parce qu'on est dans une économie globalisée. Mais je crois aussi que le fait d'avoir des relations intenses avec des partenaires comme les États-Unis qui vont nous envoyer leurs auditeurs de la FDA, c'est une façon aussi de faire progresser nos entreprises. C'est un niveau d'exigence auquel on doit répondre. Après, on est dans une compétition mondiale, donc futur florissant, à condition de pouvoir s'adapter aux tailles du marché. Aller vendre maïs dans les années 90, voulait vendre de la moutarde 200 grammes au Japon, mais c'est comme si nous, Français, des Japonais, nous vendaient du soja, de la sauce soja en flacon de 2 litres. Ça n'a aucun sens. Il faut adapter, et donc la solution de maïs, ça avait été de diminuer la taille du pot pour faire un pot de 100 grammes. Il faut vraiment s'adapter. À chaque pays. À chaque pays. Il y a une entreprise de jambon, je crois, qui, au lieu de vendre 6 tranches de jambon dans un pays, vend 3 tranches, parce que le consommateur a assez avec 3 tranches. Donc tout ça, il faut de la flexibilité dans les entreprises. Ça ne plaît pas forcément à nos directeurs de production. Mais c'est un choix. Et en tout cas, c'est toujours très réjouissant de pouvoir rencontrer des personnes de cultures différentes, même s'il y a beaucoup de similitudes entre la culture américaine et la culture française. Aller dans d'autres pays, en Asie, en Afrique, en Russie, c'est des modes de fonctionnement différents. Il faut s'adapter à ça. Je trouve que c'est une richesse pour nous, Français, qui sommes un petit peu trop souvent égocentrés sur notre pays, notre culture, nos vins. C'est vrai. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bob Bauer, thank you so much. Gaël Brabant, merci infiniment. Christophe Monnier, merci également. Les émissions continuent tout au long de ce salon, alors restez bien avec nous. Thank you so much for watching and stay tuned on CLTV, of course.